clôture d'une assise que le ministère a organisée sous question de recherche. Et recherche dans la question agronomie et développement rural. Maintenant, dans le cadre de ça, le ministère a cherché à réunir tous les partenaires, toutes les universités, tous les centres de recherche qui sont dans le pays qui travaillent pour le cas faire réfléchir pendant 2 jours ça, pour nous capables d'arriver à ça, nous relayer une politique de recherche. Ça veut dire pour nous centrer tout effort nous et ouais qui je nous aller toutes dans la même direction pour développement agriculture pays. Parce que nous connaissons que l'agriculture au pays, pour l'avancer, particulièrement dans le moment que nous vivons là et face à défis qui gagnent pour nous, il faut une agriculture qui est plus performante, qui est rentable et qui est moderne. Or, qui dit moderne, dit tout que faut gagner des outils nouveaux. Et outils nouveaux, ça, c'est à travers la recherche qu'on a gagné pour gagner des nouvelles pratiques qui permettent d'augmenter le rendement et de tout le monde qui vit dans le pays à manger pour être capable satisfaire besoins alimentaires. Discussion Chita sur plusieurs aspects. Et collègue moi qui l'a pour aller nous plus de détails sur ça, mais yo te chita sur ensemble de contraintes qui gagnent dans la recherche là. Contraintes yo très nombreux, c'est en termes de ressources humaines, en termes d'établissement de recherche, en termes de protocole de recherche. Enfin, il y a un paquet d'autres que là, là trois coups pour moi énumérer pour vous. Mais en même temps, à côté de ça, il y a un paquet d'atouts. Parce qu'il ne faut pas parler seulement de contraintes sans ouais atout qui gagne. Atout, c'est que nous devons citer pour quelques-uns seulement, à savoir nous avons une série de centres de recherche qui là, même si vous pas fini trop campé sous 2 pieds honnêtes, mais quand même, il offre un potentiel. Bon, série de l'autre partenaire qui l'a intéressé, qui a des efforts qu'il a fait. Nous avons tous de jeunes chercheurs qui ont même tout enthousiasme pour continuer dans la question. Je cite ça seulement pour vous, mais je vais vous donner l'autre encore. Et ensuite, dernier bail que je vais vous nous avons tout un ensemble de partenaires qui l'a, qui prêt et qui décidé pour financer pour nous les travaux de recherche pour permettre que l'agriculture a fait un pas qualitatif. Il y a quelques points qui te paraissent évidents dans l'atelier, dans l'assise. D'abord, il y a un nouveau statut que l'État a fait pour mettre pour enseignants chercheurs. De façon que les gens aient plus intérêt pour le travail que l'on fait. Sinon, si les gens n'ont pas intérêt dans la question, ou intérêt même matériel, ils ne doivent pas continuer ou bien doit exporter connaissances à l'autre bord. Or, nous voulons que nous ayons été pour travailler dans le milieu. L'autre bagaille encore, c'est que nous voyons que faut avoir des mécanismes qui mettent sous pied pour que le financement recherche soit fait de façon harmonieuse. On l'autre encore, c'est que nous finissons par remarquer à travers Assisao que l'université faut que l'État épicente recherche là dans le pays. Donc, si vous voulez, nous avons 3 SAO qui sont fondamentales dans tout le que nous faisons. Et c'est sûr, après 3 jours de recherche, ça y est, sur ça y est, on a fait un document. Un document qui suit, quoi, fait. Très belle question. Et on a gagné certainement, comme on l'a dit tout à l'heure, acte à 6 jours qu'on a fait. Mais acte à 6 jours sont étapes pour nous capables d'arriver, pour nous mettre chita sous pied, une politique de recherche dans le pays. Parce qu'on connaît tant qu'on n'a pas une politique ou pour qu'on ait qui direction pour aller, qui sort pour aller chercher. C'est un atelier que le ministère de l'Agriculture, avec une institution de recherche française, le CIRAD, Centre international de recherche agricole, avec IICA, BID, et institution nationale, fait. C'est sous recherche. Recherche en agronomie, c'est ça qu'on ne connaît pas. Qui posait défi pour vous ou chercher solution à eux-mêmes. En particulier, nous gagnons, c'est une époque Haïti qu'on a exporté mango vers les États-Unis. Pour exporter mango, c'était des produits chimiques, des insecticides que tu mettais pour tuer vers la mouche. Mais arrivons à certain moment, les Américains ont dit que ne peuvent pas accepter des produits chimiques pour tuer vers nous servir avec lui, parce que trace produit ça, c'est une maladie, cancer. Donc, haïtiens, ils mettent ensemble, ils réfléchissent pour voir qui ont tué vert dans la mouche sans que pas utiliser produits chimiques que tu conservés avant. C'est ainsi que le grand agronome qui est Julio Barthelmy, il y a un autre professionnel, c'est docteur
lui-même c'est un professionnel, ils mettaient ensemble, ils ont joué un traitement, c'est de l'eau chaude qu'on mettait mango à tremper là-dedans pour que les tuer vers un mouche sans que les pas mettre produits chimiques. Donc, il y a un paquet d'autres défis. Donc, pour faire production agricole, vous avez des semences qui ont un pile rendement. Or, il y a des semences dans les pays étrangers qui viennent, qui ont des contraintes. Donc, l'idée, c'est que vous avez une faculté d'agronomie, une université épiscopale, une université royale et au Cap. Un paquet d'universités qui mettent ensemble pour faire recherche, ils ont été gagnés. Quand il y a l'idée, c'est encourager, ils mettent ensemble pour chercher réponse scientifique, réponse technique à des gros problèmes qui gagnent. Par exemple, pour sécurité alimentaire, pour tout Haïtien capable de manger, nous avons besoin de variétés qui résistent à conditions nouvelles qui ont développé. Par exemple, à l'échelle planétaire, on va écrire les changements climatiques. Ça veut dire que les hommes utilisent le pétrole. Ils viennent faire que la terre vienne plus chaud, plante longtemps, ils viennent cogner, obligés à pas adapter à des conditions de température qui sont plus élevées. Il y a des maladies qui ne peuvent pas arriver dans certains côtés. Donc, on y a réflexion qui fait, c'est pour arriver à mettre synergie. Ça veut dire, au lieu que chaque monde sous bois pas à chercher réponse à des problèmes, ils mettent ensemble, c'est qu'on vient faire 2 plus 2 égale 5 dans la synergie. C'est l'idée essentielle.